Salut à tous, bienvenue, on est très impatients comme vous de vivre ce premier match de la compétition. Les compteurs sont remis à zéro pour toutes les équipes, y compris pour celles qu'on a le plaisir d'accompagner aujourd'hui. Et qui sait, le futur vainqueur du tournoi est peut-être sur cette pelouse. En tout cas, on peut féliciter les organisateurs de cette rencontre. L'ambiance est belle, festive, et tout a été fait pour mettre les deux équipes dans les meilleures conditions pour ce match. River Plate a toujours eu la réputation d'être le club le plus huppé de la capitale argentine, mais ses fans n'en sont pas moins passionnés, et vous pouvez l'entendre. Et notre réalisateur s'attarde sur Lionel Messi et est difficile de lui reprocher. On attend forcément beaucoup d'un joueur aussi talentueux. Vous savez, Grégoire, les stats et les palmarès, ça c'est une chose. Mais c'est quand on est au stade et qu'on peut le voir jouer de près qu'on se rend réellement compte de tout son talent. Et c'est vrai, Darren, qu'on a eu la chance, le privilège tous les deux de voir, de commenter un grand nombre de ces matchs. Et à chaque fois, on a passé un immense moment. On va voir ce que nous réserve ce match. Bonne interception, il y avait danger. La longue passe, il peut en profiter. L'interception au bon moment. Sur la gauche. Ouais, c'est bien ça. Rien à dire, c'était propre. Ah, c'est vraiment frustrant, ils avaient pas mal d'options sur ce coup. La bonne passe. La passe en retrait vers son défenseur. C'est joué long. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Toni Kroos. Il interrompt cette longue séquence. Bien joué. Dans la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. À la barre. L'ouverture lumineuse. Il tire. Il avait tout mis dans sa frappe. Mais pas de précision. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Ballon perdu. C'est une occasion, ça. Oh, but pour River Plate. C'était vraiment tendre le bâton pour se faire battre, là. Et oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. Numéro 20. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Un peu déséquilibré là. Le ballon dans la profondeur. Vinicius Junior. Non, c'est récupéré. Oh, Luis Suarez. Attention! Quel enchaînement avec cette frappe! Il ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a frappé fort.
sur sa gauche. Bien, la profondeur. C'est joué dans la profondeur. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Il est là, à la réception. Et c'est un corner. Corner mal négocié, le contre à suivre. Ah oui, superbe transition. La grosse intervention. C'est une remise en jeu. Il cherche la profondeur. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Kamavinga dans la profondeur. Oh, c'est un arrêt important, ça! Oui, il était bien concentré. Bravo! Il choisit le côté gauche. C'est joué long, c'est dangereux. La frappe! C'est repoussé! Oui, ça peut être dangereux. Non, ça manque d'application. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Toni Kroos s'est joué dans la profondeur. Il cherche son coéquipier. Et il prend sa chance. Et ça rentre. Et ce but arrive à point pour fêter son 50e match. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. River Plate vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. À droite. Toni Kroos. Il reste solide. Il peut repartir avec le ballon. Sergio Ramos. Le long ballon à l'opposé. C'est bien fait, ça. Il va provoquer. Neymar! Un ballon récupéré, une action qui va au bout, avec un tout petit peu plus de réussite, ça aurait été parfait. Il va se faire secouer par son entraîneur, là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Il est passé. Ce ballon dans la surface. Il a bien jailli. C'est joué dans l'espace. Il y a de l'espace, il faut en profiter. On s'est bien joué. Attention, la frappe. Et c'est le but. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, il n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ils sont dans un gros... Le coup de sifflet, c'est la mi-temps.
3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr. Et ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici. River Plate qui a dominé cette première période de la tête et des épaules. 3-0 au tableau d'affichage. Los jugadores ya están entrando al campo de juego. La seconde période, c'est parti. Il avait bien lu cette passe. Oui, il a bien anticipé. Toni Kroos. La frappe. Repoussée par le poteau. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Assister à un changement. C'est sans doute un bon choix de l'entraîneur qui préfère lui éviter de recevoir un nouveau carton. Cambio en el River Plate. Número 4. Entrará al campo. Número 17. Et c'est récupéré encore une fois. Ça joue long. Messi, bien servi sur le côté. Il frappe au but. Quel manque de précision. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Il relance, côté droit. Il tentait d'écarter, mais le ballon est perdu. Il provoque. Llorente. River Plate, qui donne l'impression de contrôler tranquillement cette rencontre avec ses 3 buts d'avance. Bien joué, ça. Ah, mais l'intention était bonne. Il tente de la jouer dans l'espace. La quantité de spectateurs de ce partido peut être 60 333. Le changement va pouvoir avoir lieu. Se va a realizar un cambio. Il relance côté droit. La profondeur, bien vu. Il n'a pas hésité à tacler. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Bien vu, c'est intercepté. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Il a stoppé l'attaque adverse. L'arbitre signale une faute. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre.
jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il faut être content de lui. Luis Suarez, numéro 21. Messi, numéro 9. Entran, numéro 5. Numéro 11. C'est bien numéro donné. 24. Oh, il peut y aller! Ça peut être extrêmement dangereux. Il y aura donc touche. Il joue un peu avec le feu là. Oui, là il y avait clairement faute. L'arbitre est clair, il lui dit de vite se calmer. Cambio. Oh, voici Neymar. Ça passe dans l'axe. Faut tirer là. Quel but! C'est ce qu'on appelle clairement un match à sens unique. Il est allé au bout de son idée. C'est magnifiquement exécuté. Alors là, chapeau. On voit trop souvent des joueurs manquer de lucidité après un tel raid. Pas lui. Quelle efficacité! Il était encore sur le banc il y a quelques minutes. Numéro 5. Et il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Le ballon dans la profondeur. Kubo reçoit le ballon. Vinicius Junior. En retrait. Encore. Ça joue à gauche. Ça part en contre. La passe dans la profondeur. Faute. Et évidemment, c'est carton jaune. L'arbitre l'avait prévenu que la prochaine fois, il ne serait pas aussi clément. Donc il n'y a rien à dire là. River Plate qui compte maintenant deux joueurs avertis. Mais pourquoi il va faire cette faute-là? Il n'y avait pas de gros danger. Et par contre, là, il y en a. Quel dommage. C'est joué long, attention. C'était un peu téléphoné, Campas. Camavinga, un long ballon vers l'avant. Sans se poser de questions. Mais le ballon a franchi la ligne. Kimi qui change tout. C'est une frappe! Bel arrêt! Llorente. Ils obtiennent un coup franc. Et l'arbitre met la main à la poche. Logique. River Plate qui a désormais trois joueurs avertis.
alors de procéder à un changement. C'est sans doute plus sage de le sortir maintenant. Il a déjà été averti. Cambio en el River Plate. Número 3. Lo reemplazará. Número 13. Il allonge le jeu. Le jeu repart vers la droite. Attention, oh, l'intervention magnifique. Sauvetage du gardien. Allez, un petit dernier pour la route. C'est repoussé. C'est intercepté. Quelle bonne lecture. Oui, très bonne anticipation. Toni Kroos. De la tête. Et il ne résiste pas. Ballon perdu. À droite. La longue passe. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Que dire à l'issue d'une telle victoire? Simplement que les meilleurs ont gagné, que cette victoire est largement méritée. Alors dites-moi, Darren, qu'avez-vous pensé de ce match? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. Merci Grégoire, merci à vous tous. See you soon. Se presente inmediatamente en la sala de personal.
Ah!